Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo le processus d'achat, de paiement sur ma boutique Nathalie Fleu. Donc, soit vous arrivez sur la page d'accueil de mon site ici, et donc vous allez sur la boutique qui se trouve en haut là. Vous cliquez sur boutique. Ou alors vous avez le lien directement vers la boutique et donc vous arrivez ici. Donc là, vous voyez en fait qu'il y a donc plusieurs formations ici. Vous pouvez descendre jusqu'en bas. Il y a une deuxième page ici. Au moment où j'enregistre, il y a donc deux pages sur la boutique. Vous voyez? Donc vous avez chacune des formations ici. Vous pouvez revenir en arrière comme ça. Donc, voyons là. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est donc, vous pouvez entrer dans chacune des formations pour voir le descriptif de la formation. Ou alors, vous savez déjà que vous voulez l'acheter et là, vous appuyez directement sur le panier. D'accord? Mais bon, imaginons que vous voulez avoir plus d'informations. Donc, vous cliquez ici, double clic. La formation va s'ouvrir. Voilà comment ça se présente. Vous avez d'abord des explications que vous pouvez lire ici. Voilà. Vous avez parfois une vidéo, parfois non, ça dépend. Ici, vous avez ajouté au panier que vous pouvez faire quand vous avez décidé d'acheter. Ce qui est important aussi, c'est que la description continue jusqu'en bas. Donc moi, je vous conseille vraiment de lire jusqu'en bas, en fait, hein. Vous avez ici aussi plus d'informations. Donc là, c'est des informations plus précises sur le type de document que vous recevrez, le format, etc. Voilà, tout est écrit ici. Et puis, il y a des avis de clients, par exemple, là. Donc, il y a une note, par exemple, 5 étoiles, et un avis. Ça, vous pouvez regarder aussi. Donc, voilà. Donc, imaginez, vous voulez acheter ce produit, cette formation. Donc, vous l'avez ajouté au panier. Voilà. Donc là, on vous met parcours guidé, histoire, message pour ça m'a été ajouté à votre panier. Donc ça a bien fonctionné. Donc là, vous avez un panier, mais vous pouvez par exemple voir d'autres choses. Donc vous cliquez sur poursuivre les achats ici. Voilà. Et imaginez que en fait, cette fois, vous voulez regarder autre chose. Là, vous voyez, on vous suggère par exemple activité en français. Avec les personnalités, là, la même chose, ça se présente de la même manière, exactement pareil. Il y a toutes les explications, plus d'informations et les avis des gens. Vous voulez l'acheter? Vous cliquez sur ajouter au panier. Et vous faites comme ça pour chacun des produits qui vous intéressent. Vous avez toujours la possibilité de cliquer ici sur boutique pour revenir à la page d'accueil de la boutique. Là, ce que vous voyez maintenant, c'est votre panier. Donc, ce qui est important maintenant, c'est de vérifier que vous avez exactement ce que vous voulez. Imaginez, non, vous changez d'avis, vous ne voulez plus le parcours guidé. Eh bien, vous appuyez sur la petite croix rouge, vous voyez, à gauche ici, et vous l'enlevez. D'accord? Voilà. Là, il faut vérifier. Maintenant, on voit que vous avez deux fois le pack personnalité française. Ça, c'est le cas si vous avez déjà regardé avant une autre fois. Imaginez que dans la journée ou la veille, vous avez déjà regardé cette formation. Peut-être que ça s'affiche deux fois, mais vous, vous n'allez pas l'acheter deux fois. Donc, vous allez ici, vous voyez, où il y a la quantité. Vous allez cliquer sur 1 et vous allez mettre à jour le panier. Donc là, panier mise à jour. Vous voyez, ça s'affiche en haut. Donc là, vous vérifiez encore une fois. Imaginez, vous voulez seulement ces deux formations-là. Chacune vaut 12 euros ici. Vous avez un code promo et donc vous allez le rentrer ici à gauche. Donc par exemple, au moment où j'enregistre la vidéo, on a la promotion annuelle avec ce code-là. Promo juin 2022. Si vous regardez la vidéo plus tard dans l'année, ce code ne sera plus valable. Vous aurez peut-être un autre code. Donc, dans tous les cas, si vous avez un code personnalisé, par exemple, si je vous ai offert personnellement un code promo, vous pouvez toujours l'entrer ici. Et ensuite, c'est important, vous appuyez sur appliquer le code promo. Voilà, code promo appliqué avec succès. Vous voyez en haut à gauche? Donc là, maintenant, vous vérifiez bien. Vous avez un pack 5 à 12 euros, le pack 4 sur l'humour à 12 euros aussi. Et vous regardez ici, sous total 24 euros. Et grâce au code promo, vous gagnez 7,20 euros. Le total
16,80 €. Donc ça, c'est le total que vous allez payer. 16,80 €. Donc vous vérifiez bien ça, que vous avez bien le code promo si vous avez droit à un code promo, vous vérifiez bien les quantités et ensuite vous validez la commande. Voilà. Ensuite ici, on va vous demander, donc soit vous êtes déjà client et à ce moment-là, on va vous demander de vous connecter, ou alors vous êtes déjà connecté, comme c'est mon cas ici. Donc, il y a votre prénom, votre nom et votre email. Ce qui est important, c'est que si vous avez déjà acheté sur la boutique, il faut vous connecter. Et on vous le demandera. Déjà client connecté. Donc, voici votre commande, hein, récapitulatif. Vous allez payer 16,80 €. Donc, vous avez deux options. Soit vous payez par carte bancaire, qui est déjà sélectionnée ici, soit en bas, vous payez par PayPal. Ce qui est important, c'est que PayPal, c'est seulement si vous avez déjà un compte PayPal, hein, d'accord? Donc là, je vais faire la simulation avec la carte bancaire. Donc la carte bancaire, vous allez mettre votre numéro de carte ici. Alors moi, je vais utiliser une carte de test, hein. Donc c'est pas, évidemment, c'est pas une vraie carte, c'est une carte de test pour la démonstration. Vous allez mettre votre numéro ici et ça va afficher le type de carte que vous utilisez. Moi, ma carte test est une Visa, mais ça fonctionne avec Mastercard aussi, bien sûr. Vous allez mettre l'expiration. Ici, et le cryptogramme visuel, c'est-à-dire les trois chiffres qui se trouvent derrière votre carte bancaire. Voilà. Ensuite, vous cochez ici, j'ai lu et j'accepte les conditions générales. Vous pouvez cliquer, bien sûr, pour consulter les conditions générales. Ensuite, vous cliquez sur commander ici. À ce moment-là, vous devez être sûr de votre achat parce que vous allez valider la commande. Voilà. Regardez, quand vous arrivez sur cette page, c'est que votre commande a été validée. Merci, votre commande a été reçue. Ça veut dire qu'en fait, vous avez bien acheté les formations que vous souhaitiez. Vous avez un numéro de commande, une date, votre email, ça c'est le mien pour le test, mais c'est votre email ici, la somme et le moyen de paiement. Ce qui est très important, ne fermez pas cette page. Donc là, dans la colonne de droite qui s'appelle Téléchargement, vous avez tous les documents que vous pouvez télécharger. Donc, là, par exemple, les fiches, les corrigés, etc. Il faut que vous cliquiez sur chaque document pour le télécharger sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Donc, vous cliquez ici pour télécharger. Si vous êtes sur un ordinateur, on va vous demander dans quel dossier vous voulez le télécharger. Je vous conseille de bien regarder où est-ce que vous téléchargez, ça sera plus simple pour le retrouver. Et si vous êtes sur un appareil mobile, ça va le télécharger automatiquement. D'accord? Donc tous les documents sont ici. Voilà. Ensuite, imaginez que plus tard, vous vouliez accéder à ce que vous avez acheté. C'est très simple. Vous allez ici dans Mon compte. Dans Mon compte, en fait, là, je suis déjà connectée. Si vous n'êtes pas connecté, il faut vous connecter avec votre email et votre mot de passe. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir vos commandes, commandes récentes. Vous pouvez voir surtout, le plus important pour vous, c'est le téléchargement ici. Donc, téléchargement. Vous cliquez ici. Et en fait, vous verrez tous les produits que vous avez achetés dans une commande récente ou une commande plus ancienne. Et vous pouvez les retélécharger à tout moment. Il n'y a aucune limite de temps. Voilà, vous savez maintenant comment acheter sur la boutique Nathalie Fleur. Et évidemment, si vous avez la moindre question, vous me contactez à info@nathalieflop.com. À bientôt!